Si tu veux me voir jouer vraiment, je fais un concert pendant les vacances de Pâques avec un orchestre de jeunes. Je t'invite. À fond. C'est où? En Italie. À Venise. Par où je dois m'en aller d'ici? Oh, tu ne manqueras pas d'arriver quelque part si tu marches assez longtemps. Dans cette direction-ci, habite un chapelier. Dans cette direction-là, un lièvre de Mars, ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller chez les fous. Impossible de faire autrement, nous sommes tous fous ici. Vous êtes aussi en école de commerce? Eh hey. Bah quoi tu vois ça? Bah, y'a que ça ici. Des étudiants là en business school. C'est ça qui vous a fait pousser des couilles pour venir me parler? Il fait craquer son corset vert. Oui. Puis, d'un geste brusque, il déchire son habit étroit et trop court. Enfin, enfin, se dit-il, je suis libre. J'aime pas la tondeuse du voisin, j'aime pas les soirées sans alcool, j'aime pas les ragots, les potins, les histoires drôles. J'aime pas quand je bosse et que toi tu pionces, j'aime pas les chiens, ni les enfants, ni le papier peint de tes parents, j'aime pas leur tronche. Allez, 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 Toulouse. Ça, c'est Bertrand, 40 ans, fan de rugby, un slip par semaine. Ça, c'est Clarisse, 33 ans, blonde, esthéticienne, comme quoi, l'ami ne fait pas le moine. Tu verras plus. À peine une heure que cette femme était venue chez moi, que déjà je me jetais dans le vide, comme un hamoc. Et je me mets à courir, à courir, à courir comme un fou, pour la rappeler, pour la battre, pour l'étrangler, je perdis tout contrôle. Quand tu vis au Jurassique.